allons déclarer au ciel et à la terre que Jésus est le Tout-Puissant, il est le Tout-en-Tout. Amen. Je déclare au ciel et à la terre que le nom de Jésus est puissant. Je prends témoin les anges du ciel et tous les hommes de la terre pour jurer et déclarer combien est fort mon Jésus. Je déclare au ciel et à la terre, amen. Salutations à vous, chers abonnés de www.congodialao.com. Moi, c'est Josué Bolo à l'international, en direct de l'Afrique du Sud, spécialement dans la province de Western Cape que nous appelons Mada City, Cape Town. Ici, je suis à Goodwood. Comme vous remarquez, la grande avenue qu'on appelle des Main Road, Votreka Road, numéro 25, Goodwood. C'est là où que nous sommes appelés pour nous dire qu'il y a un centre médical qui est ouvert ici, à la portée de la communauté congolaise. Un de nos bien-aimés, à la personne de le docteur Benjamin, qui a voulu toujours dans les soucis de soutenir, d'aider aussi la communauté congolaise, non seulement congolaise, la communauté aussi sud-africaine. Il a quand même pensé à rapprocher son service à la communauté. Ici à Goodwood, qu'on appelle Baraka Medical Center Surgery and Doctors. Nous allons entrer, voir un peu quels sont les services que docteur Benjamin a pour nous, le Sud-Africain, pour nous, le Congolais, pourquoi pas tous les Africains ici en Afrique du Sud, spécialement à Goodwood. Je vais demander à mon confrère Peter Pierre qui est derrière la caméra. Nous allons entrer et puis parler avec le docteur Benjamin pour qu'il puisse un peu nous parler plus de ce Baraka Medical Center, n'est-ce pas? Entrons. Voilà, chers amis, amis abonnés au Congo Dialogue, voilà, nous sommes à l'entrée ici. Comme vous allez remarquer, il y a un board, juste un panneau qu'on a écrit « Docteur First Floor ». Ok, First Floor, Room Number 2. Voilà, c'est facile. Il y a une référence ici, on a écrit « Docteur First Floor », juste au premier niveau, au deuxième room, deuxième salle. Voilà. Il n'y a pas assez de gymnastique à faire. Avec mon frère Peter, nous montons. Alors, il y a tant de services que Dr Benjamin a préparé pour nous. Et bien sûr que je ne suis pas du domaine. Et juste au premier niveau, c'est ça l'entrée. Numéro 5, votre carotte. Bon, bien sûr qu'on va attendre. Il faut quand même pour mesure de sécurité, n'est-ce pas? Il faut qu'il y ait quelqu'un pour venir nous ouvrir. Voilà. Voilà. Le premier niveau, nous sommes là. C'est pas plus loin, n'est-ce pas? Juste à l'entrée, le premier niveau, nous allons entrer, vous appuyez, il y a une mesure de sécurité, on va vous ouvrir. Thank you so much, ma'am. How are you? Good, good. Alors, doctors, premier niveau, room number 2. Alors, vous allez souffrir avec nous, comme nous sommes là juste pour installer le matériel médical et nous sommes en plein inauguration en plein établissement de notre surgery. Nous sommes là. Et voilà, ça c'est notre réception. Vous allez trouver un secrétaire là, plein d'onction, bien établi, rempli de sagesse, un service impeccable. C'est ici qu'aura... How are you, my dear? Ça va, hein? En forme? Ok. Comment vous allez? Je vais bien, et vous? Oh, mais dès que vous êtes un docteur, ça va? La présentation à tous ceux qui nous suivent là. Je suis docteur Auxil. On va commencer à travailler ici. Nous sommes là pour vous. Nous allons nous occuper de votre qualité de soins et nous vous attendons avec plaisir. Donc la santé, c'est votre préoccupation, c'est ça? Oui, c'est justement ce que j'allais dire. Voilà. Docteur Auxil, dis-nous un peu, juste un peu. Je sais que j'ai le docteur Benjamin avec nous. Il va plus nous donner plus de détails. Mais qu'est-ce qui vous a motivé d'être ici à Goodwood? C'est toujours bien de travailler à côté de nos patients.
Mais quand nous regardons cette partie, à partir de, je ne sais pas, du môle qui est là jusqu'au niveau de Libertas, il n'y a pas de Sadjeri. Il est toujours important qu'il y ait un centre hospitalier proche des malades. Parce que en tant que médecin et en médecine, nous comptons beaucoup plus sur le temps. Une minute ou 60 secondes est important pour nous. C'est pourquoi nous nous sommes dit, pour les premiers soins et les soins d'urgence, nous devons être à un endroit où il n'y a pas beaucoup de centres ou de Sadjeri, si je peux me dire ça. C'est pourquoi nous avons choisi cet endroit. Alors, pour les gens qui doivent se déplacer pour aller très loin, chercher un hôpital très loin, nous sommes là pour les accueillir et lever l'urgence, comme on dit. Lever l'urgence. Moi, je ne pouvais pas penser à ce terme-là, lever l'urgence. Il faut qu'il y ait un médecin pour nous dire ce terme-là. Voilà, merci beaucoup encore une fois. Je ne sais pas si vous pouvez encore préciser l'adresse à ceux qui nous suivent au travers Western Cape. Ils sont aux alentours, Kensington, Papérou, Belleville, n'est-ce pas, ceux qui sont de ce côté-ci pour suivre ces 25 votre garde, n'est-ce pas. Alors, quels sont les services, en un mot? Je sais que le docteur va nous donner plus de détails que nos amis africains, pas nos amis africains, pas seulement des Congolais, des Sud-Africains, nos amis africains peuvent s'attendre à votre service ici. Ok, nous nous occupons de tout. Nous nous occupons des malades aigus, comme on dit, pour les gens qui ont de la fièvre, de maux, quelque part là, qui ont des maux de tête ou n'importe quoi, ils peuvent venir. Nous nous occupons aussi des maladies chroniques, pour les gens qui souffrent, des diabétiques, des hypertendus, des gens qui ont de la goutte, nous nous occupons d'eux. Nous nous occupons également des accidents, qui sont des gens qui peuvent connaître des accidents en cours de route. Nous nous occupons de tout ce monde-là. Au fait, nous nous occupons de tout ce qu'il y a comme maladie. Ok. Voilà. En commençant par le plus petit malaise jusqu'au grand problème. Nous sommes là pour nous occuper d'eux. Voilà. Quand il s'agit de frais à payer, tout ça, je réserve ça pour le docteur. Voilà, je demande à Pita d'aller voir un peu le visionnaire, s'il faut appeler en ces termes, le docteur Benjamin, nous allons entretenir avec lui. Vous avez remarqué ça. Maman docteur Rosé, ça sera quoi? La salle de consultation, c'est ça? Ça, c'est la salle de consultation, n'est-ce pas? Ça, c'est la réception. Et puis, ça sera un bureau, hein? Hein, docteur? Voilà. Permettez-moi, je ne vous ai pas accueilli. Bienvenue, docteur. Merci. Comment vous allez? Je me porte bien, par la grâce de Dieu. Mm-hmm. Nous sommes là à Goudoud. Peut-être une présentation à ceux qui, peut-être pour la première fois de vous voir, docteur Benjamin. Bon, vous avez un peu plus de connotations là. Producteur, musicien, compositeur, tout ça. Bon, aujourd'hui, on vous voit un peu dans les casquettes un peu des médecins. Bon, on connaît que docteur Benjamin est médecin, n'est-ce pas? Et peut-être une briefing, une présentation à ceux pour la première fois de vous voir. En fait, je suis docteur Benjamin Kalala. Je suis basé à Cape Town, en Afrique du Sud. Comme vous voyez, nous sommes en train d'inaugurer aujourd'hui, qui est du reste mon anniversaire, le 5 juin. Et Dieu a permis que nous ouvrions cette clinique pour aider le peuple de Dieu, sud-africain, congolais, sans discrimination. Tout le monde est bienvenu. Nous sommes là pour vous servir. Voilà pourquoi nous avons ouvert cette clinique qui va travailler chaque jour pour soulager tant soit peu les problèmes de santé des enfants de Dieu. Voilà. La motivation d'ailleurs, parce que vous travaillez dans de grands hôpitaux ici de la place, mais ici, en Afrique du Sud, spécialement à Cape Town, mais qu'est-ce qui vous a plus poussé à être ici, proche de la communauté? D'abord, les hôpitaux, ce sont des hôpitaux de l'État, ou des hôpitaux privés qui appartiennent à de tierces, mais il vaudra mieux commencer son propre projet. Si Dieu a voulu qu'on soit médecin un jour, aujourd'hui il a permis que nous ayons l'outil. Vous savez, Moïse, pour traverser la mer Rouge, devait avoir un bâton. Ça, c'est le bâton que Dieu nous a donné pour traverser la mer Rouge. C'est quelque chose qui identifie ce que nous sommes et ce que nous faisons. Donc, nous commençons comme ça et nous savons qu'avec ceci, Dieu va nous amener loin. Donc, nous voulons soigner
les enfants disent avec notre philosophie, avec notre onction, avec notre grâce, dans notre propre établissement, avec notre philosophie, notre façon de voir les choses. Là-bas, nous les soignons, et nous les soignerons toujours, c'est avec les policiers et la philosophie de l'État ou de propriétaires. Mais ici, c'est notre propre philosophie, c'est notre propre façon de voir les choses. Donc, nous serons ici. Voilà, une initiative, une idée qui n'est pas donnée à tout le monde. Quand je dis tout le monde, dans le sens qu'il y a de ceux-là qui se disent, bon, je suis là, je suis médecin en Afrique du Sud, bon, je dois seulement servir la nation sud-africaine. Mais vous avez pu quand même penser à s'approcher à la communauté qui, des fois, ils ont un problème de transport, d'aller dans des hôpitaux publics, c'est ça? Oui, vous savez, je vais parler à deux. Vous premier volet avec nos frères du Congo et d'ailleurs, ils ont beaucoup du mal à accéder aux soins de santé dans les services sud-africains. Soit il n'a pas d'ID, ou bien le passeport est expiré, soit les moyens de transport pour accéder, ou bien il y a tellement beaucoup de gens, quand vous arrivez à 9h, vous serez reçu à 17h, ou bien le lendemain, toutes ces difficultés-là, nous voulons résoudre cela. Donc, vous arrivez sur le champ, vous trouvez un médecin, vous êtes consulté. Si votre cas demande que vous allez dans un grand hôpital, nous-mêmes nous arrangeons votre transfert. Appelez l'hôpital et s'étape un rendez-vous avec le médecin, c'est ce qu'il faut. Donc, que ce soit le frère congolais qui vient du pays directement ici, ils veulent des conseils où aller ou comment commencer. Ils peuvent commencer par ici. Nous pouvons les soigner nous-mêmes ou les orienter en direction. Pas de connexion, mais nous avons, comment je peux dire, le mot m'échappe un tout petit peu. Donc, nous avons des contacts ou des relations avec beaucoup d'hôpitaux privés, ce qui fait que votre cas peut demander une grande opération. Nous pouvons faciliter ça, ok, on va vous opérer à tel hôpital, à un coût léger, que si vous alliez vous-même de ce côté-là. Donc, on peut faciliter nos frères comme ça, et même vous faciliter le prolongement de votre séjour. Si votre séjour est de peut-être 3 mois et que votre état de santé demande qu'on prolonge de 6 mois, on peut le faire pour vous, notre établissement. Donc ça allège un peu pour nos frères de l'Angola, du Congo, de partout qui veulent se faire soigner en Afrique du Sud. Nous avons une plateforme pour faciliter votre traitement, votre séjour et même prolonger votre document. Ça, c'est un fait. Et pour les Sud-Africains, c'est la même chose. Et aussi, ils struggle, ils souffrent dans les hôpitaux. Ils peuvent arriver à 8 heures, on les voit seulement par le médecin vers 16h, 17h. Mais si chez nous, nous voulons, dès que vous arrivez, vous êtes reçu, vous êtes examiné, le sang est pris, tous les basiques, au moins, sera fait ici. Voilà, ça, je suis avec le docteur Benjamin Kalala ici à Goodwood, dans la Western Cape province de Cape Town. Madacite que nous appelons, je crois que ça serait plutôt ma prochaine question avant que nous puissions laisser le docteur, parce qu'ils ont le temps quand même d'inaugurer, de faire la prière, parce que c'est ça l'ouverture aujourd'hui, des grand opening comme on dit ici en anglais. Alors docteur, est-ce qu'il pouvait nous aider un peu, éclaircir un peu nos mots, je crois que vous avez un peu survolé là-dessus, à ceux qui sont en pays, en Europe, des Congolais qui veulent venir se faire soigner ici, ils ont un peu difficile à pouvoir avoir des invitations, tout ça. Est-ce que, docteur Benjamin, avec votre clinique ici, est-ce que vous aurez pu quand même faciliter cet accès-là de venir prendre des soins ici? Et comment ça peut se faire? Est-ce qu'il y a des frais à payer? Bon, si peut-être vous pouvez le faire, les dire, il y a des frais à payer, comment ça se fait? Effectivement, si une personne désire venir se faire soigner en Afrique du Sud, il faut avoir un visa. Pour obtenir un visa, il y a des requirements, il y a des obligations, entre autres la lettre de prise en charge, entre autres les invitations de médecins, les rendez-vous de médecins, tout ça. Nous allons favoriser tout cela. Nous allons engager notre clinique. Effectivement, il doit y avoir des frais conséquents à payer. Donc, si quelqu'un est dans les besoins, il n'a qu'à nous contacter. Et nous allons faire un website, nous sommes en train de faire un website dans ce sens-là. Et on va mettre toutes les informations nécessaires sur le website. Et nous allons aussi faire une page Facebook, un groupe WhatsApp pour nos clients et nos patients. Et comme ça, les gens peuvent s'informer facilement. Okay. Docteur, le service, votre...
Voilà, je suis dans nos téléspectateurs qui sont branchés, connectés dans www.congodialo.com. Moi, c'est Joseph Bolois. Je reçois pour vous le docteur Benjamin Kalala qui, aujourd'hui, célèbre son anniversaire aussi. Il ouvre une clinique pour faciliter des soins qui, des fois, est un casse-tête pour nous, les étrangers, pour les uns, les autres aussi. C'est difficile par rapport aussi aux problèmes de documentation que nous faisons face ici en Afrique du Sud. Mais dis-moi, lui, avec ses services, ils peuvent quand même nous aider, n'est-ce pas? Vous êtes en Europe, vous êtes au Congo, vous êtes partout aux États-Unis, vous aimeriez bénéficier du soin médical ici en Afrique du Sud. Voilà un compatriote congolais qui a le souci, n'est-ce pas, du développement sanitaire de notre pays, développement de la médecine de notre pays. Il a quand même ouvert une clinique ici qui pouvait quand même vous aider. Docteur, est-ce qu'en un mot, vous pouvez quand même donner vos services que les gens peuvent s'attendre? Je crois qu'il y en a plusieurs ici, mais en un mot, qu'est-ce que les gens peuvent s'attendre de vos services ici dans cette clinique? Nous faisons les soins de santé primaire. Tous les soins de santé primaire, les enfants, les adultes, les femmes, les personnes âgées, tout problème de santé primaire, nous allons résoudre ça. Ça englobe un peu tout. C'est quand on dit primaire, on découvre que vous avez des problèmes aussi très sérieux et on sait vous orienter avec ça, aller à tel endroit ou bien à telle institution ou bien voir tel spécialiste. Alors, tout problème chirurgical, tout ce qui concerne les opérations, ça c'est notre spécialité. Donc vous avez un problème qui demande une opération, là vous êtes à la bonne porte, nous allons vous faciliter les choses. Donc y en a qui viennent avec des myomes, qui cherchent, on a dit on va enlever les matrices. N'écoutez pas, venez d'abord et après notre expertise nous vous dirons qu'est-ce qu'on peut faire. Mais les problèmes chirurgicaux, la chirurgie mineure et majeure, c'est notre domaine, nous allons vous aider. Et à résoudre. Bientôt, nous allons ouvrir une branche de chirurgie laser, traitement laser de malformations de la peau, des opérations avec le laser. Donc d'ici, dans les 6 mois qui viennent, nous allons faire ça. Alors nous avons un service d'échographie arrangé, nous avons un service de prise de sang, tous les problèmes, les tests de sang. Nous allons le faire sur place, administration, toute la médecine qui concerne les femmes du point de vue de soins de santé primaire, dépistage des cancers, des problèmes d'infection, des problèmes de fertilité ou de stérilité, tous ces problèmes-là, nous allons voir avec vous et comment vous aider. Alors, donc vous avez un problème de drépanocytose, vous avez un problème de ceci, on va vous orienter. Donc, et le problème de stress, le stress c'est le key problème dans notre société. Venez, nous avons la chambre à côté, c'est une chambre de counseling et de stress. Et puis nous avons un équipement sur place pour les douleurs des muscles et des os, sans injection, sans médicaments. Ça apporte jusqu'à un apport magnétique et énergétique sur vos articulations, les muscles, ça soulage les douleurs et ça déstresse. Donc c'est quelque chose que nous avons. Donc venez nous visiter, appelez-nous, venez à Goudoud et vous ne serez pas déçus. Vous ne serez pas déçu. Docteur, merci beaucoup. Je crois que le opening hours, c'est chaque de lundi à vendredi, de 8h30 à 19h et samedi, de 9h à 13h et chaque dimanche, de 14h à 18h. Mais au cas où il y a des cas un peu d'urgence, là, après minuit, 23h, est-ce que le docteur dort encore, ferme son téléphone? Quelqu'un un peu d'urgence, là, en coup de route, tout ça. Est-ce qu'il faut se limiter? Je suis contente un peu avec cette heure ici. Mon téléphone est ouvert 24h/7. Donc, tous les gens qui sont habitués à ma personne savent que chaque fois qu'ils ont besoin de moi, ils m'appellent, j'y réponds toujours. Donc, vous avez un problème de santé, appelez-moi. À moins que je suis en train d'opérer, mais une infirmière va vous parler. Appelez-moi et vous serez servi. Merci beaucoup, docteur Benjamin Kalala. Juste un mot de la fin à ceux qui nous suivent au travers le monde, à ceux qui nous suivent ici à Cape Town, à ceux qui nous suivent en Afrique du Sud, à Djobou, qui des fois, bon, je sais qu'ils peuvent me demander, Boloa, tu n'as pas demandé au docteur le frais. Ça, on ne peut pas quand même divulguer ça parce que le service, on ne sait pas quel cas de maladie la personne peut quand même amener. On ne peut pas dire que non, le frais, c'est tel, n'est-ce pas, docteur? Oui, les frais seront donnés conformément au cas de l'individu, mais déjà la consultation en elle-même, c'est 300 rand pour la première fois, okay, et 150 rand pour le suivi.
Donc, dans les 300 rendez-vous, vous êtes consulté et les médicaments de base peuvent vous être donnés. Oh, okay. Vous voyez, ça, c'est comme ça que nous opérons. Et 150 rendez-vous de suivi. Et je signale en passant... Vous savez, avant de terminer, docteur, ce qui m'a impressionné, que la consultation de 300 rendez-vous, moi, j'ai pensé que peut-être que comme c'est une clinique privée là, vous allez nous donner un peu 900 rendez-vous, 1000 rendez-vous là, hein, comme c'est privé. Alors, 300 rendez-vous, c'est quand même raisonnable, n'est-ce pas? Yeah, merci, c'est vous qui le dites, c'est 300 rendez-vous. Nous voulons être proches de la population. Yeah, l'objectif était de soulager les problèmes de la population, pas d'en créer. C'est pourquoi nous mettons 300 rendez-vous avec vos médications, avec les médicaments dessus. Yeah, et ça, c'est la consultation. On n'a pas dit si vous voulez, on va vous opérer, vous venez avec 300 rendez-vous. Donc, si vous avez un problème, à part la consultation, on va vous dire vous avez tel problème, et ça, maintenant, on va vous donner des factures qui demandent de résoudre votre problème. Pour le moment, consultation simple, c'est 300 rendez-vous. Voilà, consultation simple, c'est 300 rendez-vous. Hein? Juste 300 pour la consultation. Merci, docteur, pour cette précision, parce qu'il y a des gens qui vont me suivre et dire, Boloa, le docteur a dit 300 rendez-vous et puis on va m'opérer. Non, non. Le 300 rendez-vous, c'est pour la consultation, pour savoir, au fait, qu'est-ce qui ne va pas dans ton corps. Et après, il y a d'autres procédures qui vont y arriver. Docteur, votre mot de la fin, peut-être une invitation, une salutation à ceux qui vous suivent, peut-être un mot que moi, je n'ai pas pu vous poser. Salutations à la communauté congolaise, à tous les amis et à tous ceux qui croient en ce que nous faisons. Et nous sommes là pour vous servir, premièrement. Et appelez-nous, contactez-nous jour et nuit. Et travaillons ensemble pour soulager nos problèmes. Et n'oubliez pas, concert le 7 juillet. N'oubliez pas la clinique à Goodwood, Vutreka Road. Au niveau de Caltex Garage, vous voyez KFC, Vutreka, Caltex, Libertas, dans ces coins-là. Donc vous allez monter juste au premier floor, room numéro 2. C'est facile de venir et vous serez les bienvenus. Voilà. Merci beaucoup, merci à vous chers téléspectateurs, amis abonnés de congodialogue.com. Moi c'est Joseph Bola, je suis presque à la fin avec le docteur Benjamin Kalala qui, il dit la célébration c'est docteur Jésus. Il est médecin, mais il voulait reconnaître qu'il y a un médecin par excellence qui est au-dessus de leur médecine, c'est Jésus-Christ. Venons célébrer, là vous allez voir, il ne va pas amener les injections là, hein. Ça c'est plus le micro et puis l'onction que le Seigneur a déposé sur lui pour glorifier le nom de Jésus. Mais, yes. J'ai oublié un détail important, ça je m'adressais à tous les pasteurs de Cape Town, de toutes les églises confondues. C'est que, en fait, j'aurai le temps de les rencontrer, mais je voulais passer aussi pour ceux qui suivront. Nous avons les églises, nous connaissons les problèmes de nos églises, parfois le loyer, parfois payer l'électricité, parfois payer, je ne sais pas moi, n'importe quel problème qui se passe dans l'église. Alors, qu'est-ce que nous avons pensé dans notre clinique? Notre clinique s'appelle Baraka Medical Center. Nous avons pensé créer un partenariat avec les églises. C'est-à-dire que si une église envoie ses membres venir nous consulter et chaque membre paye 300 rendez-vous pour la consultation, nous restituons 10% de la consultation dans les comptes de l'église. Donc les 30% reviennent dans les comptes de l'église. Donc autant de membres qui nous consultent ce mois-là, autant de 10% sont restitués pour les comptes de l'église et ça peut tant soit peu soulager l'église dans quelques dépenses. Ça, c'est quelque chose que j'ai oublié, que je voudrais mentionner là-dessus. Je suis en train d'imaginer avec mon équipe comment on peut avoir une réunion. C'est pourquoi j'avais fait venir mon bien-aimé. Comment on peut avoir une réunion de rassembler les pasteurs. Parce qu'aller les voir individuellement, c'est beaucoup. Alors, si on peut les inviter, ils sont là, on leur présente la chose. On parle avec eux dans ce sens-là. Donc, le rendez-vous est pris déjà avec les pasteurs et que Dieu vous bénisse. Voilà, que Dieu vous bénisse. C'est Baraka Medical Center Surgery and Doctor here à Goodwood, numéro 25, votre carotte, diagonale Caltex. Quand vous allez vers Belleville, il y a, avant Caltex, il y a un immeuble là-dessus. Vous venez de Belleville, diagonale de notre Caltex, il y a au moins deux Caltex.
de Caltex Garage. Et je crois que c'est facile à vous retrouver, n'est-ce pas? C'est pas difficile. Et vous connaissez votre cas, c'est une avenue un peu populaire ici à Cape Town. C'est parmi de longues streets ici à Cape Town qui commencent.